putain de corona, filmer le truc du confinement. Pendant le troisième jour, je suis déjà en train de me faire chier, quoi. Putain. Non mais c'est terrible en fait. Peut-être garder ça pour les générations futures, ça dit, mais c'est assez terrible quand même. Genre, faire chier à ce point de devoir filmer le truc pour pas péter complètement un câble, quoi, alors qu'on a vu qu'au troisième jour. Putain. Oui, je fais du clavier, oui. On a rien à foutre en fait. C'est ça pour meubler parce que c'est terrible. Oui, je me fais chier. En fait, je me fais chier à un point que vous n'imaginez même pas. Je me fais chier. On n'est que mercredi. Confinement a commencé lundi. Il y en a encore pour un moment. J'imagine pas dans 15 jours ce que ça va être. Hein. Parce que là, bah, ça va être le bordel quoi, en fait. Alors je tourne en rond dans la baraque sans cesse, la même chose trois fois par jour. Bon, je pense vraiment à m'emmerder quoi. Si on arrive au point où je joue du clavier parce que je sais pas quoi dire dans une vidéo, bah c'est que je me fais vraiment chier quoi. C'est terrible quoi, c'est putain. Bon, pas tout seul, c'est vrai, il y a craint, il y a mon chat, ça a l'air un petit peu, mais bon, quand même, c'est pas ouf, hein. Bon, le chat, encore, je peux lui faire des câlins, ma mère, je peux l'approcher à 1 mètre, voilà quoi. Alors, bon, oui, tout le monde est sur Discord, du coup, je discute avec tout le monde, ça c'est bien, voilà, c'est pas voilà. Waouh! Waouh, dis donc. Oui, on s'en bat les couilles. On s'en fout! Putain! Ça à nos gamins. Wow. La République, c'était comment le confinement? Le grand confinement de 2020, ouais, on s'est bien fait chier, putain, je vous raconte même pas.
On s'est bien emmerdé, putain de merde. Je vais te mancher, je veux dire, je me fais des vidéos que je sais qu'elles vont mettre des heures à s'uploader parce que je les upload avec mon téléphone. Mais bon, on s'est dit, moi je peux aussi sur ma musique, c'est sur les albums, tout ça, tout ça. Putain, on s'emmerde. Non mais je veux dire. Ah. Le confinement. Dire, si on avait dit que la fin du monde, si on avait dit que la fin du monde, ça allait être aussi chiant, eh ben, j'aurais peut-être pas fait, tu vois. Je serais peut-être pas venu. Voilà. Hein? Parce qu'on s'était préparé avec ces conneries. Dire, non mais c'est vrai, la fin du monde, quoi. C'est supposé être classe, la fin du monde. Dire. Pas supposé des pécores qui restent chez eux à rien foutre, quoi. Ça dit, ils semblent plus réalistes, cela dit. Plus réalistes que des zombies, certes. Mais quand même, quoi. On s'emmerde. On s'emmerde bien, même. Alors, ouais, j'emmerde un peu les voisins en faisant de la musique. De toute façon, on peut pas sortir de chez eux. Et la police, ils peuvent pas rentrer non plus, donc bon. Alors, bon. On s'est chié, quoi. Et on est qu'au jour 3. On a encore une semaine, peut-être deux, peut-être plus. On va morfler. On va morfler, les cocos, on va morfler. Enfin bon, j'ai essayé de garder ça un peu au jour le jour, puis déjà ce sera du contenu pour ma chaîne, ce qui est toujours bon pour le référencement, tout ça c'est cool. Et puis bah. Non, si, ça peut être cool, franchement. Minimum pour les générations futures et pouvoir commencer à évoluer. Putain! Ouais, ce sera toujours un improvisé comme ça, par contre. Enfin bon, on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça va. Pas trop dégénéré, confinement. Verra bien. Hein. T'as dit, si ça peut dégénérer et s'il y a des bastons et qu'on peut sortir, là, ça peut être cool. Ah, enfin bon.